Les robes de soirée entrent en scène et brillent de tout leur feu. Silhouettes longilignes ou vaporeuses, façon smoking ou décolleté, elles s'enveloppent de riches textures de velours, voile, paillettes et satin. Bas les pattes, morosité. Comme un pied de nez aujourd'hui, ils entrent dans la danse des couleurs et nous font une belle jambe. Certains sensuels, soit envoûtantes et dentelles ensorcelantes, sont au menu de nos petits matins de stars. La lingerie des rendez-vous actions se fait un brin exubérante, un brin provocante. Parce qu'au jeu de la séduction, toutes les audaces sont permises. Chut. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol à faire des ailes de la mode. Veuillez redresser votre siège, attacher votre ceinture et glisser vos bagages sous votre siège. Quelques petits trucs à retenir pour un séjour bien habillé, peu encombrant. À votre droite, le pantalon, on le choisit de couleur marine et en lainage. À retenir, plus le tissage est fin et serré, moins le pantalon se froisse. À gauche, le veston. En lainage vert et à boutonnage simple, il devient le passe-partout essentiel. Au fond, deux chemises et un tricot à col montant. Dans le compartiment du dessus, un élément essentiel, le gilet gris. Côté accessoires, une cravate sobre mi et une autre un peu plus osée avec motif. Prêt pour le décollage? Avec la classique chemise blanche et une cravate. Nous espérons que ce survol mode vous a plu et qu'il voudra dorénavant à voyager plus léger. Les étoffes couleur nuit s'offrent une douce brillance. Pluie de paillettes. Éclat de verre. Poussière de diamant. Parfait sur nos silhouettes et miroites jusqu'au petit matin. On veut du changement! On veut des solutions! On est en loupac! On veut du changement! Un cardigan déposé sur les épaules, une paire de lunettes, des petits gants courts, une broche qu'on pose à merveille, un look des années 50, signé Audrey Hepburn. Un duo parfait pour le week-end. La chaleur d'un tricot et le confort de la robe. Pour l'accompagner, on choisit un collant et une casquette. Un petit truc pour raccourcir la robe. On serre une ceinture à la taille. Les designers québécois font bonne figure au chapitre des collections d'hiver. Qu'on opte pour le classicisme de Michel Desjardins, pour le confort amusé de Simon Chang, les matières innovatrices de Jean-Claude Poitras, craque pour le romantisme renouvelé de Muse ou la féminité sensuelle de Louben. Les créateurs d'ici font glisser sur nos silhouettes des vêtements qui nous ressemblent. Les tendances de la saison groove au rythme des années 70. Silhouettes étriquées, chemisiers à grande pointe, pantalons à taille basse, tissus synthétiques sont de retour près d'une trentaine d'années plus tard. Option super disco en moins. Hey, ça fait des années que les designers nous disent « Vous devez porter du noir, vous devez porter du gris, vous devez aussi porter du marron. » Paf! Cette année, les couleurs éclatent. Belle affaire. Comment je vais faire me retrouver là-dedans? La mode de la rentrée prolonge l'été par l'éclat tonique couleur. Fruitées ou acidulées, elles injectent au brun triste, noir sombre et gris fade une bonne dose d'énergie. Avec un zeste de limette, le brun chocolat se fait audacieusement délicieux.
Le bleu jeans fait le plein de vitamine C et s'associe à l'oranger. La vie en rose melon pour éveiller la sagesse d'un pantalon noir classique. Un peu plus et déjouer la grisaille de la ville, un manteau framboise vermillon ponctué d'un chapeau vert à cire. Coup d'éclat fuchsia pour dynamiser un veston noir passe-partout. Couleur primaire vibrante, jeans doudoune, tartan, polo. Ça, c'est les petits chouchous du designer Tommy Hilfiger. Tout droit sorti des stades des gymnases des universités américaines, Tommy Hilfiger offre une mode qui hausse le ton, idéale pour les randonnées à l'automne ou le retour en classe. Elle a malin. Veuillez introduire collection affaires pour une silhouette structurée et ajustée. Collection software avec une coupe plus ample et plus souple. Et collection couture fabriquée de tissus haut de gamme. La griffe du designer canadien Arnold Brandt. La griffe du designer canadien Arnold Brandt entre élégamment dans le garde-robe de monsieur et nous propose une mode en trois temps. Branle-bas de combat au bureau, le temps des fêtes est arrivé. Ça veut dire que les 5 à 7 s'affichent à l'agenda et qu'on doit fouiller au fond de nos dossiers pour trouver des petits trucs qui vont nous permettre de passer rapidement et élégamment du bureau au party de Noël. Pour un look plus chic, on déboutonne notre chemisier, on change le bas régulier pour un bas filet et on troque le baluchon pour un petit sac en cuir verni. Pour ajouter une classique, on attache les cheveux. Cocktail, la veste se porte seule, sans chemisier. Minute. Un foulard de mousseline et paillettes est jeté sur les épaules et les boucles d'oreilles complètent le tout. L'option soir laisse la veste de jeans et le foulard à carreaux au tiroir. On ceinture la taille d'une chaîne en argent et on décore le cou d'un collier. Joyeux Noël!